Bonjour, je suis Alexis Gros, j'ai 34 ans, je suis musicien chanteur d'un groupe de Bison Chic et je suis aussi chargé d'accompagnement dans un foyer de jeunes travailleurs. Bonjour, je suis Harmonie, j'ai 31 ans. Je suis musicienne professionnelle, entre autres, et je joue du synthé, de la guitare et je chante dans Bison Chic. Alors, on se lance dans une carrière d'artiste musicien. Avec de l'envie et avec de la passion. Le déclic pour moi, ça a été l'envie de jouer à l'adolescence avec mes amis qui faisaient de la musique juste à côté de chez mes parents. J'y suis allé. Moi, j'ai un père musicien professionnel et donc j'ai passé souvent du temps à côté de la scène toute petite. Donc je pense que l'envie est née aussi du fait de traîner beaucoup autour d'artistes et de musiciens depuis toute petite. Au départ, c'est un peu en matériel. Quand on commence la musique, on n'a pas forcément d'argent, en tout cas quand on est jeune. Donc il faut s'acheter des instruments, ça coûte cher, donc ça peut être la première étape de la difficulté. Et puis après, il y a des fois, on croit qu'on fait des choses bien, enfin c'est bien pour nous, mais il n'y a personne pour nous suivre. Quand on veut se développer, il faut aussi avoir un entourage. Et des fois, l'entourage, en tout cas pas familial, mais l'entourage professionnel n'est pas toujours au rendez-vous. Moi, Je sais pas ce que t'en personnellement, il y a penses. aussi le fait avant tout ça, de sortir un peu de sa chambre et de faire écouter et jouer avec des gens, de sortir un peu de son entre-soi solo dans sa chambre à faire de la musique. Faire écouter des Faire écouter des choses, prendre choses. des risques, Voilà. se confronter au regard des autres, je crois que c'est important aussi. Et on bénéficie d'un accompagnement avec le Cargo, SMAC de Caen. On a aussi eu la chance d'avoir une résidence au Normandie et d'être soutenue par le Normandie, surtout dans le cadre de la préparation des auditions des Inouïs du Printemps de Bourges sur l'antenne Basse Normandie, parce qu'on était présélectionnés en 2021. Donc ça nous permet aussi d'avoir un retour sur ce projet qui est nouveau. De persévérer, même si c'est un peu bateau de dire ça, je pense que persévérer et surtout ne pas s'arrêter aux premiers obstacles, aux premiers refus ou aux premières expériences un peu négatives, c'est de vraiment continuer à travailler. Non, des engagements, je ne sais pas, mais je travaille dans le social quand même depuis plus de 10 ans. Et en tout cas, l'entraide ou l'accompagnement de jeunes, quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je le fais effectivement dans ma vie professionnelle. Non, bah, c'est compliqué de choisir une personne audacieuse parce qu'il y a plein de façons d'être audacieux et audacieuse. Donc, je crois qu'on a tous dans notre entourage des gens hyper audacieux, soit artistiquement, soit dans le travail, dans la vie de tous les jours, dans les défis qu'on se lance. Essayer de vivre de sa passion, prendre des risques à un moment donné où on n'est pas sûr que ça soit concluant. Oui, peut-être que l'audace, en tout cas dans la musique, c'est professionnellement, c'est de faire le choix de devenir professionnel, de se dire bon bah, je m'y mets à fond, donc ça implique peut-être de lâcher d'autres choses. De rien lâcher. Eh ben oser, voilà. Voilà. Oser aller au bout de la démarche en tout cas, pour ne rien regretter. Se donner les moyens.